Bonjour, soutenez-nous sur Tipeee, car sinon, nous allons être obligés de restreindre nos diffusions. Merci. Les investigations sur les exactions commises par les forces russes en Ukraine ne permettent pas à ce stade de parler de génocide. Il y a eu les centres de recrutement qui se laissaient acheter par ceux qui veulent échapper à la conscription. Et ils sont de plus en plus nombreux parce que la guerre est de plus en plus sanglante. Vous avez fait une tribune dans le Figaro, oui. Luc Ferry, pour dire que Nicolas Sarkozy avait raison sur sa prise de position qui a été fort critiquée concernant Vladimir Poutine et l'Ukraine. Oui. Vous dites qu'il avait raison. Il a mille fois raison, oui. Mais en général, ce passage est censuré. Emmanuel Macron et l'Union européenne accusent régulièrement la Russie de chasser la France d'Afrique. La Syrie, des affrontements opposent au moins deux camps. D'un côté, à des forces kurdes soutenues par les États-Unis, de l'autre, des combattants arabes locaux. Top départ pour le sommet africain sur le climat. Jérusalem, Nicosie et Athènes travaillent ensemble sur un câble électrique sous-marin qui pourrait connecter Chypre, la Grèce, Israël et plusieurs pays arabes. Cinquième bougie pour les patriotes. Après en France. Avons-nous encore le droit de demander, par exemple, ce qui s'est passé le soir de Notre-Dame de Paris, de son incendie ?